Cap-Verdien avec Wagner Diaz devant Kalidou Koulibaly. Là, c'est l'un des joueurs les plus expérimentés côté Cap-Verdien, Julio Tavares, accroché par Kalidou Koulibaly. Beaucoup de duels. Et là, c'est Yannick Stopira. Mais le coude devant Crépin Diata et le centre en mouvement de Kassama pour Ismaël Assar. Le contrôle, la feinte, l'enroulé qui passe à quelques centimètres. Ouais, un ballon qui aurait pu trouver meilleur sort. Mais malheureusement, c'est le cadre qui s'interrompt. Et ça aurait pu faire plus en première période. Et là, on voit que les joueurs sénégalais ont mis beaucoup de pression. Là, c'est une talonnade de Abdou Diallo. Abdou Diallo accroché sur ce coup-là par Edinson Sanchez. Là, les Sénégalais bénéficient de coups francs bien placés. Sur Ismaël Assar et le pénalty est transformé par Sadio Mané qui marque son 23e but en sélection. Il égale Mamadou Dia et fonce tout droit vers le record de 29 buts détenu par Henri Camara. Certains parlent de 31 buts pour Henri Camara, mais c'est plus de 29 buts. Ouais, Sadio qui marque encore un deuxième pénalty sur deux matchs, ça va renforcer sa confiance à ce niveau.